Faut mettre quoi dans l'espace commentaire, Tico, dis-moi? Bulle. Bulle. Donc les gens doivent mettre B-U-L-L-E. C'est ça. Eh bien très bien, mettez bulle dans l'espace commentaire et je prendrai une personne au hasard. Je répondrai à son commentaire. J'espère qu'il aura Instagram ou Twitter pour le contacter ensuite en privé et lui faire gagner soit 10 euros de V-Bucks, soit le pass de combat de la saison. Voilà. Oh, bah tiens, je me fais snipe direct. C'est génial ça. Allo Tico. Yo mec. Oh, comment on l'entend pas? Ça va? Ça va, ça va. Comment ça fait que je t'entends si mal là? Mec, ton micro il est bizarre, voilà. On t'entend voilà, faiblement là, on t'entend pas bien. Je comprends rien de ce que tu dis. Oh, du coup, je vais hyper loin. Bon, c'est bizarre. Ah, moi, tu m'entends mal aussi? Ouais, genre tu parles dans la cave là. Ah, attends, attends, go Snowy. Mais mec, ça c'est Windows, hein. C'est pas possible. What? Mais non, même pas. Il troll là en fait. Tu trolls, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est ça, je comprends rien. T'es un c*** en fait. Ouais, je suis un putain de c*** là. Mais on t'entend pas, arrête de bafouiller dans ton micro. Y'a du monde là. Ah ouais? Bah j'ai pas d'armes. Bah j'ai pas d'armes, c'est génial. Ça c'est à cause de toi. T'es mort là? Bah je suis mort, j'ai pas d'armes. Écoute, j'espère que tu vas servir à quelque chose là. Mec, j'ai pas d'armes. Non, c'est y'a pas d'armes, y'a full arme en bas à droite. Ils étaient combien? Ils étaient 4. 4, ouais. Ils sont tous les 4 lots. T'es sûr? 100%. Ils ont minimum 100 PV. Wow, il y a pas de pompe. Oh non. What the fuck? Sérieusement, les deux sont morts comme ta ça carte, là? Ta carte elle est où? Ta carte elle est où? Je sais pas, faut que tu la trouves. T'as full ruine là. Non, jure. Non. T'es sérieux? Vas-y, je me casse. Vas-y, on continue à regarder là. Mais what the fuck? Chier. Vas-y, régale-moi. Rush, j'ai fait un maximum de kills là. Vas-y, vas-y. Attends, t'as fait 4 kills là, ce gosse délire? Ah mec. Par contre, je t'entends toujours pas. Tu m'entends pas là? T'entends hyper mal. Ah ouais, genre hyper mal. Pourquoi tu te rapproches pas de ton micro? Je suis hyper près mec. Mec, essaie de te mettre encore plus proche du micro. Mec, tu veux que je le mette dans ma bouche? Mets-le à l'intérieur de ta petite bouche. J'ai dit, attends. T'as de ta petite bouche. Je le gobe genre comme une chatte. Tu gobes une chatte? Bah tu m'as dit ça. Je t'entends pas là, je t'entendais bien tout à l'heure. Je sais pas, j'ai pas compris. Je crois que tu m'avais dit je le bouffe comme une chatte, j'ai pas compris. Quoi? Mais c'est toi qui as dit ça? Oh, le faux bruiteur, t'aimes bien cette arme? Ouais, pour le beau jeu, ouais. Vas-y, je vais gagner avec ça. Tu joues qu'avec ça maintenant là? C'est chaud, mais bon. Tu portes tes couilles? Vas-y, vas-y, on va essayer. Vas-y, tu réussis à faire top 1 là. Jette tout ton stuff, tu gardes juste le silex, tu fais top 1 avec, je t'offre le pass de combat de la saison 11. Vas-y, vas-y. C'est impossible. Genre, tu vois, en solo c'est facile, mais. En solo SDO, tu penses que tu vas pas réussir? Double silex. Ah, c'est chaud, j'en ai que deux. Bah, c'est bien. Alors, je tire une balle et puis après, bah non. T'as deux chances pour mettre une balle dans la tête? Je pense que je vais pas y arriver. Hein. T'es pas assez bon alors? Je suis nul, moi, je suis amateur. Ah, je vois ça, je vois ça. Tu sais quoi? Attends. Là, tu fais top 1 avec ces deux armes. Je t'offre un pass de combat et je fais gagner un pass de combat saison 11 à la commu. Je ferai une sélection dans les commentaires. Vas-y. J'ai pas de balle. Ah, c'est bon. Tu vas à la Paris Games Week? Ouais, je vais à la Paris Games Week. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Vous savez, pour la Paris Games Week, il faut des gardes du corps. Ça c'est, il faut des gardes du corps pour les stands, etc. Il faut des gardes du corps. J'ai demandé un devis. Un devis pour savoir le prix que ça serait pour 5 journées complètes de Paris Games Week. A votre avis, c'est quoi le prix? Sachant que c'est une entreprise ultra professionnelle. En vrai, j'ai quand même pété un câble. Et évidemment que j'ai refusé ce devis. Je l'ai refusé, mec. Parce que c'est pas worth. 2000, 6500, 600, 3000, 10 000, 10 000, 1000, 2800, 500, 7000. Ça va, il y en a beaucoup qui se rapprochent au vrai truc. Je suis étonné. En vrai, je m'attendais à vraiment beaucoup de personnes qui allaient me dire en mode genre 300, 500 euros. Enfin, tu vois, des petits trucs. Genre, le devis est monté jusqu'à 8460 euros. 8460 euros pour avoir deux gardes du corps pour 5 après-midi. Mec, c'est tellement pas rentable. Enfin, c'est des vrais gardes du corps et tout, mais c'est pas intéressant pour une Paris Games Week. Tu vois. C'est juste, il y a de la foule, faut juste contrôler la foule, etc. Mais bah, un des deux avait déjà été garde du corps l'année dernière, mais pas pour ce prix-là, au prix amical, parce qu'on le connaît IRL. Et il avait fait garde du corps pour Lady Gaga, tu vois.
Et tu peux pas comparer un truc Paris Games Week en mode vraiment fun et tout à Lady Gaga où c'est des jeunes qui. Où il y a des paparazzis, des gens qui tentent des trucs de meurtre et tout. Enfin, ça a rien à voir, tu vois. Genre, les stars pour le coup, les grandes stars. Oh! Oh, il a perdu la vie. Les stars, etc., qui prennent des gardes du corps ou quoi, mec. Les grandes stars et tout, mec, ils doivent avoir des devis à 30 000, 40 000 balles pour quelques jours, lors de gardes du corps. 30 000, 40 000 euros, c'est énorme. Énorme! Et l'année passée, tu as fait comment? Bah, l'année passée, je me suis arrangé, vu que l'on connaissait, etc. En fait, le garde du corps, un des deux, a ouvert sa propre société. Il a ouvert sa société de garde du corps. Et maintenant, c'est lui le patron, tu vois. Mais l'année dernière, c'était juste un agent, enfin, c'était juste un garde. Il n'avait pas sa propre société ni rien du tout. Il appartenait pas à une structure société. Mais bref, c'est cher de. Enfin, c'est cher. Après, faut comprendre. Enfin, en tout cas, pour la Paris Games Week, c'est complètement ridicule. C'est débile de mettre autant d'argent pour. Mais du coup, ça donne plus ou moins une approximative. Une approximativation des prix. Approximation. Putain, j'ai dit quoi là? J'ai dit. Attends, j'ai dit quoi moi? Approxima vita. Je sais même pas ce que j'ai dit. Vas-y, go in, Tico, s'il te plaît. Ouais. Avec un silex. Faut qu'il gagne là. Je fais garde du corps pour pas cher. Bah justement, et après t'as les gardes du corps en mode pas cher, comme freestyle, où j'avais regardé au tout début, l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi. Tu peux avoir des personnes qui font la sécurité, etc. Pour 100 balles, voire même peut-être moins, 60, 70. Mais après je pense que ça, si tu le fais au black. Mais je pense que tu peux avoir des trucs pour 100 euros la journée, mais bon, t'attends pas un truc de fou, quoi. Je pense que... Enfin, ouais, ça va pas être incroyable, hein. Des mecs limite ils sont plus queuses que toi. Enfin je sais pas, en vrai je sais pas. Par exemple tiens regarde, un mec, un videur de boîte de nuit, il paye combien à la soirée? Parce que ça c'est vraiment un taf un peu... Alors je dis pas que c'est un taf de merde, parce que j'ai déjà eu une conversation avec une personne qui était videur d'une boîte de nuit. Mais disons que c'est pas un taf en mode... pas prestigieux. Un taf, parce que t'as videur de boîte de nuit et t'as videur par exemple de restaurant étoilé en mode ultra classe, sécurité intérieure avec des petites trucs aux oreillettes qui te permettent d'informer les autres mecs de la sécurité. Enfin tu vois, t'as des trucs différents et disons pour truc agent de sécurité videur, c'est vraiment le truc le moins prestigieux. Enfin vous m'avez compris, je pense que vous m'avez compris de ce que je veux dire. 200-300 balles la soirée quand même. Ah ouais, quand même. Mais ils se mettent bien dans ce cas hein. Après ça a rien à voir par rapport à des vrais agents de sécurité, des agents de garde du corps, mais 200-300 balles. S'ils font ça... Ah oui mais après c'est que les samedis dimanches aussi, faut prendre en compte. Faut prendre en compte qu'en général c'est... Enfin samedi dimanche pardon, vendredi soir et samedi soir. Parce que les autres jours c'est pas forcément rentable d'avoir du monde ou quoi. C'est sur... Ah, du coup c'est 4 fois par mois, fois 8, 8 fois 2, 16, ouais, 1600, 2000 balles par mois si tu fais ça tous les week-ends. Si c'est 200-300 euros, ce qui est quand même cool en vrai. Ce qui est quand même assez sympa. Jeudi aussi. Bah ça dépend des endroits, mais oui. Jeudi je crois que c'est la soirée spéciale étudiant. C'est un truc comme ça, en mode étudiant. Ou c'est mercredi, je sais plus. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi je dis c'est la soirée étudiant. Si quelqu'un peut me dire, tant qu'à faire. Là, on essaie d'apprendre un maximum de choses pendant que Tico il est en train de tryhard la game. Tico, il me sert juste de support, mec. Tico, il est là, mec. Il est venu, il m'a snipe. Hop, je me sers de lui. Fais top 1, Tico. Jeudi soir étudiant, car fin. Oh là là, il a tué. Jeudi soir étudiant, car fin de semaine et pour se différencier des soirées du vendredi. Ouais mais c'est à dire que tu peux pas, par exemple, des étudiants peuvent pas se mettre une... Oh il vient de faire un kill encore au piège. Tu peux pas te mettre une race par exemple, genre les étudiants peuvent pas se mettre... Nice. GG mec. Bah, écoute, t'as pas réussi. Ouais. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire gagner 10 euros dans la vidéo. Ok mec. Donc je prendrai une personne totalement hasard dans l'espace commentaire, il y aura une personne qui dira 10 euros. Faut mettre quoi dans l'espace commentaire Tico, dis-moi. Bulle. Bulle. Donc les gens doivent mettre B-U-L-L-E. C'est ça. Et bien très bien, bah mettez bulle dans l'espace commentaire et je prendrai une personne au hasard. Je répondrai à son commentaire. J'espère qu'il aura Instagram ou Twitter pour le contacter ensuite en privé et lui faire gagner soit 10 euros de V-Bucks, soit le pass de combat de la saison. Merci à toi Tico. Rien mec. Je te souhaite une excellente soirée. De toute façon peut-être que tu vas me re-snipe, on sait jamais. Ouais, je pense que je vais te re-snipe. Vas-y mec, des bisous, tout chaud. Vas-y, à plus. Le faux bruiteur, abonne-toi à la chaîne du faux bruiteur.